un peu de soin. Oh, le jeu, il est joli. Alors, il y a des genres de ventilos. Ok. Ah bah c'est là. Focus boost. Alors je vais vous demander juste 2 secondes. Re. Ok. Gros immeuble. Ça c'est joli. C'est Notre-Dame ça en fait. J'avais pas fait gaffe mais c'est Notre-Dame de Paris. Regarde l'immeuble derrière, elle est immense. Immense. C'est immense. C'est super gros putain. Tu me reçois? Néline. Edge, tu me reçois? J'ai réussi à contourner le brouillage du kid. Envoie-moi vite les codes. Ok, je transmets. Parfait. Il ne reste plus qu'à pirater l'unité centrale du barrage Saint-Michel. La main dans le sac. Vous autres terroristes, ne doutez de rien. Néline. T'es moche. Après tant d'années, tu choisis encore le mauvais camp. Est-ce qu'on se connaît? Tu étais l'une des meilleures chasseuses de souvenirs, ma grande. Voire la meilleure. Mais tu as choisi la mauvaise voie et regarde où ça t'a mené. Criminel, traqué. La tête pleine de trous. La politique, c'est tellement radar. Tu gaspilles toujours autant de salive? Ou c'est seulement quand tu passes à la télé? Toujours aussi grande gueule. Je vais me faire un plaisir de te la rectifier. C'est l'heure du Christmas Show! Ah oui, quand même. Un boss, donc. Ah, la réalité augmentée, c'est tellement plus stylé que la réalité virtuelle. Accordons-lui ça. Elle a du sang. Allez, lâche la peine. Elle va me rapporter 3 millions de visionnages. Ouh! Tiens! Tu la sens ma furie ou pas? Ok. Tu as goûté au marteau du guide. C'est l'heure de goûter au spammer! Oh! Alors je tape quand même parce que de toute façon ça va recharger ma barre. Reprends l'entraînement, ramolli. Fury. Us. Ouais c'est exploser le genou sur ce coup. Parce qu'il fait 20 kilos Nilina quand même. Enfin, 35. Bien joué, ma grande. T'as tenu jusqu'à la dernière partie du spectacle. Tais-toi, Icone. Excellente proposition. Place 1. La mort subite. Ça pue. Ah, je me régène un peu. Hey kid, rien d'autre. La furie, Bru. Aïe aïe aïe. Ah ah, Fatal Fury.
La musique est géniale. Allez. Des QTE, parfait. Ça va, c'est des QTE qui correspondent au mouvement. Genre carré, ça faisait un coup de poing, triangle, ça faisait un coup de pied. Après toutes ces années, tu persistes à choisir. Je crois que c'était l'esquive. Et ça va être ce cercle là pour le drainer, j'imagine. Pas devant mes fans. Overload! Attends, on peut discuter, je peux te donner la. Oh, tiens! Oh oui. Le point de Pégase. Du coup, on va pouvoir tirer des bombes aussi, nous. J'imagine. Un truc comme ça. Nilin, grâce au code que tu m'as envoyé, la contre-attaque erroriste débutera dans quelques minutes. Profite de la confusion pour rejoindre discrètement le Slum 404. Ok. Création de Kid Xmas, donc Christmas. Hein. Le spammer tire des salves de données qui paralysent et endommagent les scènes aux adversaires. Fais volonté, mais gardez un œil sur la jauge. Ok. À utiliser le spammer, oui, mais laisse-moi faire. Voilà. Easy, je perds mon oreillette. Ben voilà, on se casse. La porte de secours. Blé. On l'a bien défoncé quand même. Je m'appelle Nilin. Cette fois, vous vous en souviendrez. Fallait pas la faire chier, hein. Ce matin, à 10h47, les sirènes ont retenti à travers toute la ville quand le barrage Saint-Michel s'est soudainement ouvert, libérant les milliards de litres d'eau du lac artificiel Saint-Louis sur le paisible quartier Saint-Michel. Comme vous pouvez le voir sur ces images Seine-Seine, la vague gigantesque a tout emporté sur son passage. Difficile d'estimer l'importance de la catastrophe pour l'instant. Mais les autorités de Néo-Paris rapportent déjà des dizaines de morts et plusieurs centaines de disparus. Ils ont noyé Saint-Michel. De l'autre côté du barrage, le soudain abaissement du niveau d'eau n'a pas été sans conséquence pour les habitants du slum 404. Un quartier réputé pour son agitation sociale. La force Sabre a immédiatement été déployée dans et autour de ce quartier pour prévenir tout risque d'émeute. En effet, l'assèchement du lac Saint-Louis vient de mettre un terme à l'isolement de la forteresse de la Bastille, qui abrite les plus dangereux criminels de Néo-Paris. Restez connectés pour en savoir plus. D'accord. Ils ont noyé Saint-Michel quand même. Gros fils de pute. Est-ce que c'est pas nous qui avons noyé Saint-Michel du coup en lui envoyant les données ? Ah mais c'est peut-être ça en fait. Ils ont noyé les bobos. Ils ont noyé les bourgeois. Grâce au code que j'ai volé à l'architecte, Edge a provoqué une inondation en sabotant le barrage Saint-Michel. D'après lui, c'était une punition appropriée pour ceux qui ne se soucient pas de leur petit confort. Pourquoi lui ai-je obéi ? J'aurais pu quitter la ville. M'inventer une nouvelle vie, ailleurs. Mais j'ai préféré redevenir l'ennemi public numéro un. Était-ce dans ma nature ? Avons-nous vraiment vengé les exclus du slum 404 ? Ou bien vont-ils souffrir davantage par ma faute ? Seul un militant croit que la fin justifie les moyens. Edge m'a révélé que ma mémoire avait été conservée dans la forteresse de la Bastille depuis ma condamnation.
Il faut que j'y retourne pour la récupérer. Comment il sait tout ça? Le seul moyen d'entrer à la Bastille est de piller la mémoire de Johnny Grintis, l'habitant le plus mystérieux de Slum 404. Le problème, c'est que personne ne sait vraiment qui il est, ni où il se cache. C'est pas Ribéry? Je crois que c'est Ribéry. Ouais, du coup, je me souviens quasiment pas du scénar. Je me souviens de certains plot twists, mais je me souviens très peu du scénar parce que je l'ai fait vraiment à la sortie. Et j'ai joué à beaucoup, 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 beaucoup de jeux depuis. Y'a rien derrière moi, hein. Non. Non, parce que moi, Crash Bandicoot, ça m'a traumatisé avec les caisses derrière le début du jeu. Ok, donc le Slum 404. Ok, Niline. Tommy va t'aider à t'infiltrer dans la Bastille. Retourne le voir à son bar. On n'aurait pas pu faire ça ce matin quand j'y étais? Non, il fallait d'abord assécher les sous-sols du Slum 404. Je vois que tu avais tout prévu. Ok. Il y a un prix échangé, on s'en fout. On va quand même explorer un peu parce qu'il y a peut-être des objets à récupérer. On va dire du... Salut. Oui, c'est ça, il y a bien des prostituées robots. Moi, ça me... J'aimerais pas... Enfin... Ça doit être bizarre. Après, c'est peut-être super efficace, hein, mais... Alors, ouais. Je sais pas trop comment je vais le choper, ça. C'est peut-être ici, c'est ici. C'est là. C'est ici. Les canapés rouges partout. C'est exactement ça. Les scaramouches sont des parasites qui se nourrissent des flux de données mémorielles localisées avec les... Tire dessus avec le spam pour obtenir des points de PMP. Donc ça, il y en a un peu partout. Il y en a combien? 55? C'est beaucoup, hein. Confirme l'authenticité du message. Quant au capitaine Trace, chef de la Force Sabre, il vient de promettre une riposte sans pitié pour ses ennemis de Néo-Paris. Tandis que les secours s'organisent après l'inondation qui a dévasté la conforteresse Saint-Michel, les déclarations se suivent, mais ne se ressemblent pas. Edge, fondateur de la faction héroïste, a revendiqué le sabotage du barrage. Oh, je vais me faire attaquer, la zone elle est beaucoup trop grande. Alors, c'est dans le couloir là, j'imagine. Est-ce qu'il y a des mouches? On dirait pas. Ouais, c'est en bas. Genre là. Très bien, de la vie en plus. Un nouveau combat est disponible. Ah, putain, décidément. Oh, effectivement, effectivement. Bah alors, c'est quoi le premier coup? Alors, bam. Us. Pour l'instant, j'ai pas assez de... Ok, je vais quand même faire un combo. Tant pis.
C'est mieux que rien. Ok, bon. Bah c'est par là. Y a pas des mouches hein? Des mouches à... Des mouches mémorielles là? Y en a forcément quelque part. Bathed in the shell. Je serais curieux de savoir comment ça fonctionne tout ça quand même. Tension bah ah d'accord. Voilà. Bienvenue à Magic. Votre bulletin d'information quotidien est impertinent. Aujourd'hui, je reçois le capitaine Gabriel Trace, chef de la force Sabre. Capitaine Trace. Expliquez-vous la menace terroriste qui vient de frapper notre cité. C'est seulement le chant du signe d'un crépuscule aux avoirs. Je vais me faire attaquer. Janine. Janine attend. Ben moi je... Ah elle nous attend nous. C'est Pigalle ou quoi? Ah non c'est pas si... En principe c'est pas autant, autant au centre de Paris. Bon quoi, enfin si quoi que... Tiens! Bon. Alors, tuer les maraudeurs accrochés sur les murs avec. Voilà. Vous m'avez saoulé, vous m'avez saoulé. Sur un toit. Ouais, ça a l'air d'être un trou, un toit. Que c'est ici? Non, c'est pas là. Jax, cette pub, je l'ai déjà entendue. C'est bon signe, ça, Frangine. Ta mémoire profonde a résisté au traitement. Jax, c'est tout? Jax fait tout. Jax veille sur vos enfants et vos enfants l'adorent.
Pour fêter ses 25 ans d'existence, Jax revient dans son design original, mais doté de toutes les innovations qui ont fait de lui le jouet numéro 1. Jax le panda, une référence. C'est là, c'est ici. Hop. Voilà. Non, c'est pas ça. Jax, c'est tout. Jax fait tout. Ouais, Jax il fait un peu flipper quand même. Ah. Ça va plutôt par ici alors. Ça va chier. Encore ? C'est quoi ? J'ai un nouveau... Ok, nouvelle classe de Presence. Presence de chaîne. Hérite de l'effet du Presence qui le précède et le multiplie ! D'accord, donc ça sera intéressant d'en mettre sur celui-là, du coup. Les combos longs. Ah oui. C'est là qu'il y a les combos Street Fighter. Ils sont là. Le Spinning Bird Kick. Le Shoryu. Et du coup là on peut rajouter ouais, plus le combo est long, plus c'est bien. Donc là c'est ok. Donc bam, bam, Shoryuken. Mais on va mettre autre chose là parce que... Ouais, bon, tant pis. Ouais, ok. Shoryuken. Shoryuken. D'accord, donc le gros. Somersault, le flash kick hein. Somersault. C'est bon, vous êtes décédé. Et donc un nouveau machin disponible. Ah merde, c'est un triangle, moi je voulais un carré. Ah zut. Zut. Bah c'est pas grave, on va mettre celui-là. Ouais, c'est pas mal. Et là je peux rajouter par exemple... Bam, 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 bam. Voilà, il n'a aucun sens, mais... Bam, 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 bam. Ouais, on peut faire ça. Donc là j'ai trois combos. Trois combos customisables quand même.
envie de dire. Moi, je trouve ça plutôt cool d'avoir des combos customisables dans un jeu. Pouvoir faire les movesets que t'as envie. Ça, c'est quand même hyper rare. Et surtout que ça a une influence sur ce que tu fais. Sacré-Cœur derrière. C'est pas le Sacré-Cœur. Si, c'est le Sacré-Cœur. Pardon. Ok, on est pas loin, je crois. Attends, mais non, c'est quasiment là où on est. Parce qu'il y a la fiche orange et la fiche bleue. Est-ce qu'on pourra repasser de l'autre côté ? Techniquement, ça veut dire que c'est pas loin, quoi. Ouais, bizarre. Putain, il était en bas. Il était en bas. Avec du bol, le checkpoint est juste avant. J'ai juste à descendre chercher l'objet. Yes. Eh, parce qu'il était juste en bas en fait. Il était là. Focus boost en plus, tant qu'à faire. C'est pas très beau. Hein. C'est tout à fait Paris, je trouve. Hein. Ah oui, il y en a 55, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Je refais juste un petit RT de l'épisode de Zelda qui est sorti aujourd'hui, puisque je tourne, on est dimanche. Parce que j'ai pas de race. Et surtout, j'ai pas le temps. Mylène, je t'attends au Leaking Brain. Dépêche-toi si tu veux que je te montre comment trouver Johnny. Johnny? Johnny Grintis. Le croque-mitaine du Slum 404. Le seul qui se souvienne des chemins cachés menant à la Bastille. Du moins, c'est ce que dit Edge. D'accord, je me dépêche. Très bien. Ah, j'ai bien fait de me retourner. Amnésite, c'est pas très intéressant. Enfin, c'est du lore, mais... Ok. Y'a rien. Y'a rien. Qu'est-ce que c'était? Bouh! Alors Gollum, fais-moi ton malin. Y'a rien. Allez, viens là, mon précieux. Je te vois, hein. Je vois tes petits yeux de fouine. Putain. J'ai un peu eu un coup de frisson dans le dos. Hein. Je vous le dis, quand j'ai vu passer derrière moi, là, c'était... C'est pas drôle. C'est pas drôle du tout. Oh, ça sent la baston là. C'est Gollum. Ok, c'est chiant.
plus. Voilà, spinning bird kick. C'est bon? Tommy, je viens d'être attaqué par des leapers. Effrayant, ils disparaissent à volonté. Ça fait bien longtemps que je suis plus étonné de ce qui peut sortir de ces tunnels moisis. Ah bah là, c'est bon là. Je me dépêche de te rejoindre. D'ici là, ouvre bien les yeux. Si ça te fait pas peur, c'est bon. Ah attends, il y a de la santé là. Ah mais je suis fou là. Parce que je me suis régénéré avec mes combos de barbare. Cette réponse existe enfin. Le projet Reconversion, une nouvelle révolution par les concepteurs du Sensen. Memorize. C'est dégueulasse. Exode de la faim, émeute climatique, guerre civile. À chaque génération, notre cité a su faire face et se réinventer encore. Ah petit rat, c'est ratatouille. Celui qui t'attrape et qui te mord les couilles. Ah. Serre les dents, Niline. Très bien. Ok. Ah d'accord, c'est ça. C'est quoi ça? Bon, ça c'est une zone de combat, je pense. On va dire entre une zone de combat. Oh le bâtard. Déactive tous les Sensen, paralyse les ennemis et révèle la présence. Ah oui. La Fury, c'est le premier qui va apparaître, qui va manger cher. Sensendos, allez. C'est bon? Vous êtes calmés? Bon, on dirait qu'ils sont calmés.
grimper, on va aller jusqu'à la prochaine zone et après on s'arrêtera. Parce que. D'accord, va falloir grimper. Moi ça me paraît bien ça. Il reste celle-là. Moi ça me paraît pas mal. Vous avez vu, il y a les CRS, c'est 49.3 tout ça. Hop. Alors, on va se soigner un petit peu. Et on va rentrer ici. Sans mourir. J'ai dit sans mourir. S'il te plaît. Ne me fais pas mentir. Attention, Eileen. Tout en douceur. Oui, en douceur, c'est bien. Voilà. Fait un petit 843 degrés quand même. Moi j'aurais un petit point de sauvegarde. Ok. C'était là. Ok. Enfin rentré. Aligner les bouteilles, Tommy. Et nous, par contre, du coup, on va se quitter là parce qu'il y a un point de sauvegarde automatique et c'est juste ce que j'attendais. Donc, je vous fais des bisous. Et des bisous.